Madame, Monsieur, bon après-midi et merci d'être présent dans cette salle Marrakech pour cette session consacrée cet après-midi aux questions de sécurité, la configuration de la sécurité en Afrique, au regard notamment des institutions comme celle du G5 Sahel et de la CDAO. Et pour cette session, nous avons un panel assez riche et fait de compétences pour évoquer la question. Je vais commencer les présentations par M. Mahamat Saleh Anadif, qui est le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies au Mali. Juste après lui, vous avez M. Martin Ziegele, ancien Premier ministre de la République centrafricaine. Après, nous avons quelqu'un de l'armée, c'est normal, puisqu'on parle de sécurité cet après-midi. C'est le général Mohamed Zaghi Sid Ahmed Eli, qui est expert en sécurité et défense, qui travaille au secrétariat permanent du G5 Sahel et qui est le chef de département de la sécurité et de la défense à ce niveau-là. Juste après lui, nous avons son Excellence M. Mamadou Tangara, qui est le ministre des Relations extérieures de la République de Gambie. Et notre dernier intervenant, c'est M. Christopher Fomeyon, qui lui est un expert, notamment des questions de gouvernance. Donc voilà, Madame, Monsieur, le panel qui est à votre disposition cet après-midi. Nous allons évoquer ces questions en commençant par M. Anadif du système des Nations Unies, qui lui a choisi de nous entretenir dans son propos introductif qui durera 5 minutes. Exactement, peut-être un peu moins, sur le Conseil de paix et de sécurité, notamment au niveau de l'Union africaine. Monsieur Anadif, vous avez la parole. Merci beaucoup. D'abord, je voudrais remercier vraiment les organisateurs, parce que moi, c'est pour la première fois que je prends part à cet événement extrêmement important. Et dire le plaisir que je ressens à être présent. On m'a présenté quelqu'un des Nations Unies, mais moi je suis d'abord de l'Union africaine. C'est pour ça que je vais te parler de la configuration paix sécurité et pour me coller un peu au thème, parce que le thème dit quelle configuration africaine de paix et sécurité et le lien effectivement avec la CDAO, la SADEC, le CEPES et le G7. Je voudrais dire tout simplement que pour avoir beaucoup côtoyé les arcanes de l'Union africaine, la question de paix et sécurité figurait déjà dans l'agenda des pères fondateurs même de l'OIE. Et pour ceux qui suivent un peu le cheminement de l'OIA, déjà en 63, quand elle a été créée, on l'avait vu dans la charte de l'OIA, quand on a parlé de ce principe d'intangibilité des frontières, quand on a créé des mécanismes tels que la commission de médiation, de conciliation et d'arbitrage, qui malheureusement n'a pas fonctionné, on a également créé le mécanisme de prévention, de gestion des conflits, qui a eu également énormément de difficultés. Il faudrait dire que pour moi, les pères fondateurs sont des visionnaires. Parce qu'en 63, quand on a créé l'OIA, figurez-vous qu'il n'y avait qu'une trentaine de pays africains indépendants. Aujourd'hui, nous sommes 54. Il y avait l'apartheid, il y avait tout un tas de défis, comment décoloniser l'Afrique. Et donc, les conflits auxquels on faisait face après la colonisation, c'était souvent des conflits au niveau de nos frontières, que vous savez dans quelles conditions elles étaient tracées. Et donc, ça a été fait que tout le monde a pris des précautions pour qu'on ne soulève pas ces questions de frontières. Et je crois que ça nous a évité beaucoup de conflits. Maintenant, à partir de 99, 2000, 2001, jusqu'au lancement de l'Union africaine à Durban le 9 juillet 2002, on a effectivement maintenant fait l'acte constitutif de l'Union africaine. Et l'innovation au niveau de l'acte constitutif, j'en vois principalement deux ou trois. Premièrement,
au niveau de l'acte constitutif, les dirigeants africains ont dégagé une vision. Et cette vision n'est pas seulement, ne se réduit pas seulement à la paix, parce que la paix, c'est tout un ensemble. Et donc, l'un des objectifs, c'est promouvoir la paix, la sécurité, la stabilité sur le continent. Mais aussitôt, on dit promouvoir les principes et les institutions démocratiques, la participation populaire et la bonne gouvernance, deuxième objectif, et promouvoir, protéger les droits de l'homme et des peuples conformément à la charte des droits de l'homme et des peuples et autres instruments pertinents relatifs aux droits de l'homme. C'est quelque chose qui est nouveau au niveau de l'acte constitutif. Deuxième élément au niveau de l'acte constitutif, alors qu'au niveau de la charte de l'OIA en 63, on disait respect de souveraineté des États, non-ingérence dans les affaires intérieures de l'État. Or, depuis lors, le génocide au Rwanda a passé par là, la guerre civile en Somalie a passé par là, et donc l'acte constitutif dit ok, non ingérence, mais aussi non indifférence. Et donc on dit par non indifférence, à savoir qu'on peut intervenir dans un pays africain en cas de crime contre l'humanité, en cas de prémisse des génocides, à savoir les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité dans des circonstances graves, les États africains peuvent intervenir dans cette. C'est une nouveauté. Et c'est grâce justement à cela qu'on a pu, l'Union africaine a pu en 2004 intervenir au Darfour pour arrêter la guerre qui a éclaté. C'est grâce aussi à cela qu'en 2007, on a pu déployer des forces au niveau de la Somalie pour empêcher la guerre civile et qui, aujourd'hui, la mission dont tout le monde parle et qui est au niveau de la Somalie. Mais, au-delà des énoncés et des principes, la réflexion a été qu'il est extrêmement important d'émettre des structures pour qu'on puisse prévoir et pour qu'on puisse également, en cas de conflit, comment faire en sorte qu'on puisse aider à résoudre le conflit et qu'on puisse même reconstruire éventuellement le pays après le conflit. D'où l'idée de créer par protocole le Conseil paix et sécurité dont il est question ici et qui donne une architecture, à savoir l'architecture de paix africaine et sécurité. L'APSA, son acronyme, c'est plutôt beaucoup plus en anglais, mais en français, on peut dire tout simplement architecture africaine de paix et sécurité. Et elle s'articule autour d'un certain nombre d'objectifs, à savoir, comme on l'a dit tout à l'heure, comment anticiper et prévenir les crises, rétablir, consolider la paix, reconstruction post-conflit, promotion de la démocratie, bonne gouvernance et état de droit. Ce sont des choses qui sont nouvelles. Et donc, elle se base sur ce qu'on appelle les armées en attente au niveau des communautés économiques régionales. Entre-temps, il n'y en avait que 5. Maintenant, il y en a 8. Mais l'un des petits paradoxes, c'est que les communautés économiques régionales existaient déjà, les 5, qui sont les piliers de l'Union africaine, existaient avant le changement OIA-Union africaine, ce qui fait qu'elles ont précédé la création de l'Union africaine. Là également, au niveau de l'architecture, il est prévu un panel de sages dans le cadre de prévention. Il est prévu également un système continental d'alerte précoce ou rapide. Il est prévu une force africaine en attente qui devrait être symbolisée par des forces en attente dans chaque région. Et un élément important, parce que les opérations de maintien de la paix coûtent extrêmement cher. Et il a été prévu dans cette directive ce qu'on appelle le fonds de la paix.
juste pour me limiter au temps imparti, dire tout simplement que dans la pratique, par question de subsidiarité, ces prérogatives au niveau continental sont déléguées aux communautés économiques régionales. Malheureusement, souvent, il y a des interactions qui ne partent pas à la même vitesse et on a vu de conflits de leadership entre l'organe continental et les communautés économiques régionales où il y a eu des querelles de leadership. Mais il faut quand même dire qu'il y a des exemples où la collaboration a très bien marché. Nous sommes le cas de la CEDEAO, pour moi, est le cas le plus parlant. La CEDEAO est intervenue quand même au Libéria, a intervenu en Sierra Leone, en Côte d'Ivoire. Elle a anticipé la crise au Mali. C'est d'abord l'AFISMA et puis par la suite qui s'est transformé en une mission de paix. Même si il a toujours existé quelques petites discordances, mais quand même, il faut relever qu'il y a eu quelque chose de très positif qui a été fait par la communauté économique régionale. Je peux parler de la SADC quand il s'agit de Madagascar, quand il s'agit des Comores, quand il s'agit également du Lesotho qui est à l'intérieur, comme vous le savez tous, de l'Afrique du Sud. Il y a eu quand même des choses positives, mais dans tous les cas, s'il faudrait, je crois qu'il y a eu en 2008, du temps du président Kodare, un protocole qui a été signé entre les communautés économiques régionales et l'Union africaine, juste pour rendre fluides ces relations. Mais je sais qu'il a encore des insuffisances. Il est extrêmement important de le revisiter pour qu'on puisse réellement aller éviter certaines contradictions que moi, personnellement, ayant été représentant de l'Union africaine à Bruxelles auprès de l'Union européenne dans les années 2006-2010, j'ai vu des communautés économiques régionales partir s'adresser directement aux partenaires tels que les Nations Unies, l'Union européenne, sans passer par l'Union africaine. Donc il y a quand même quelques recadrages à faire. Merci. Et donc je voudrais m'arrêter à ce niveau-là. Voilà les deux corps plantés et je serai prêt à répondre éventuellement à un certain nombre d'interrogations, si c'est possible. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci, monsieur Adadif, pour ce deux corps plantés. Et nous allons justement, dans la deuxième partie, revenir avec vous sur les insuffisances que vous relevez, notamment au niveau du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine. Je vais à présent passer la parole au général Mohamed Zangui pour revenir avec nous sur un organe assez important au sein de l'Union africaine, c'est le G5 Sahel. Alors, je souhaiterais que vous nous en parliez un peu. Déjà, c'est quoi le G5 Sahel? Ça peut sembler commun comme ça, mais ce n'est pas aussi simple. Et surtout, quelle est son importance au sein, justement, de cette institution-là, mon général? Merci, monsieur le président. Je ne peux commencer mon speech sans remercier d'abord les autorités marocaines et le centre Amadeus de nous avoir invité à ce meeting. Je suis particulièrement fier que le Maroc multiplie ses initiatives de réflexion stratégique au niveau de notre continent. Je suis un abonné du centre d'études stratégiques royales de Marrakech. J'ai été une fois à l'OCP Center, qui est aussi un très grand centre de recherche, et pour la première fois... Rapprochez le micro de vous, s'il vous plaît. Ouais. Et cette fois-ci, nous voilà pour la première fois à ce MEDEF à Tanger. Donc, nous sommes contents, je suis particulièrement content de savoir que notre continent ne navigue pas à vue. Et dans le même ordre d'idée, je vais vous parler de cette organisation nouvelle, le G5 Sahel, qui est un organe fondamental de l'architecture de paix et de sécurité de l'Union africaine. Je sais que le sujet suscite beaucoup de questions et d'interrogations. Il suscite aussi beaucoup d'attentes, en tout cas chez nous les Sahéliens. Et nous sommes assez optimistes. Et particulièrement content que nous prenions nos choses en main nous-mêmes et que nos partenaires commencent de plus en plus à nous comprendre et à venir
nous soutenir. Donc, le GIGN Sahel est une organisation sous-régionale africaine, comme vous le savez peut-être, regroupant 5 pays du Sahel, à savoir le Burkina Faso, le Mali, la Mauritanie, le Niger et le Tchad. Ces pays partagent une histoire commune, une géographie physique et humaine similaire, ainsi que l'usage en commun de la langue française. Leur niveau de développement est presque identique et les défis sont semblables. Le sous-développement accru par les changements climatiques et l'insécurité sont les principaux défis auxquels fait face la région en ce début du XXIe siècle. C'est pourquoi les 5 pays ont décidé le 19 décembre 2014 de créer une organisation commune, le G5 Sahel, pour une mutualisation de leurs moyens en vue de faire face collectivement aux menaces qui pèsent sur l'espace sahélien, autant sur le plan économique que sur le plan sécuritaire. Le G5 Sahel couvre une superficie de 5 millions de kilomètres carrés, peuplée de près de 67 millions d'habitants, dont plus de la moitié est composée de jeunes. Le taux de croissance démographique est de 3,18% environ, d'où un dédoublement de la population en 22 ans seulement. Dans le classement de l'indice de développement humain, les 5 États du G5 Sahel se situent dans le peloton de queue et aucun d'eux n'a atteint les OMD de 2015. L'insécurité alimentaire, les sécheresses cycliques et les changements climatiques constituent aussi des menaces et des freins au développement socio-économique des États du G5 Sahel. Le G5 Sahel est donc créé dans l'urgence et pour faire face à des défis spécifiques. L'immensité des territoires incontrôlés, la porosité des frontières, la recrudescence des conflits armés, des activités terroristes, des trafics illicites et la criminalité organisée ont fait de la région du Sahel le ventre mou de l'Afrique où se croisent, se métamorphosent et se développent toutes sortes de menaces. En effet, les organisations de narcotrafiquants et de narcoterroristes ont essaimé pendant de longues années dans la région, profitant de la faiblesse des États, de la pauvreté des populations et de l'indifférence prolongée de la communauté internationale. La création du G5 Sahel a donc été sous-tendue par la volonté politique marquée et l'engagement des chefs d'État à circonscrire les préoccupations communes de sécurité, mais aussi de développement. Le G5 Sahel est une organisation dont l'originalité réside dans le couplage, dans la réflexion en amont, comme dans l'action en aval, entre la défense et la sécurité d'une part, et le développement intégré et durable d'autre part. À cette fin, le secrétariat permanent du G5 Sahel est articulé en 4 axes majeurs, constituant le cadre de son action en vue de garantir les conditions de développement et de sécurité de l'espace des États membres. Il s'agit premièrement d'un axe gouvernance, deuxièmement d'un axe infrastructure, troisièmement d'un axe résilience et quatrièmement d'un axe défense et sécurité. Le G5 Sahel a élaboré un plan prioritaire d'investissement pour un montant d'environ 1,9 milliard d'euros. Une conférence des donateurs se tiendra ce 6 décembre 2018 à Nouakchott. Au plan de la sécurité pure qui fait couler beaucoup d'encre et qui fait beaucoup parler de lui, les activités du G5 Sahel en matière de défense et de sécurité se répartissent en 4 programmes principaux. Premièrement, le partage de renseignements entre nos pays et entre nos forces armées de sécurité. Deuxièmement, la formation commune de nos personnels de défense aussi bien que de sécurité. Troisièmement, le renforcement des capacités opérationnelles des forces de défense et des forces de sécurité intérieure. Quatrièmement, les infrastructures de sécurité. Au plan intérieur, c'est-à-dire la sécurité intérieure, le G5 dispose déjà d'une plateforme de coopération en matière de sécurité opérationnelle,
dans un collège sahélien de sécurité installé à Bamako, dans un centre d'analyse de menaces et d'alerte précoce installé à Nouakchott, des groupes d'action rapide de surveillance et d'intervention qu'on appelle les GARCI, qui sont répartis à raison d'une unité de gendarmerie par État. Soit, il y en a qui sont déjà opérationnels et il y en a qui sont en cours d'opérationnalisation. Et de la création d'une académie de police en cours en Djamena au Tchad. Au plan de la défense pure, le G5 Sahel actionne un partenariat de coopération militaire transfrontalière entre les différentes forces des pays du G5 Sahel et la force Barkhane, parce que la France est signataire de ce partenariat. Ça consiste à faire des patrouilles, des opérations communes sur des zones transfrontalières entre deux ou trois pays. Les trois pays, c'est le cas du Niger, du Mali et du Burkina Faso. Et entre les deux pays, le Niger et le Tchad à l'est, la Mauritanie et le Mali à l'ouest. Nous disposons d'un collège de défense, c'est-à-dire d'une école supérieure de guerre pour la formation commune de nos officiers supérieurs des armées. Et bien sûr de la force conjointe du G5 Sahel dont vous avez certainement beaucoup entendu parler et qui fait elle aussi couler beaucoup d'encre. L'édifice sécuritaire du G5 Sahel est donc partie intégrante de l'architecture paix et sécurité et de l'Union africaine et du processus de Nouakchott qu'il complète et prolonge pour la région du Sahel. L'organisation de façon générale a été perçue par les chefs d'État fondateurs et leurs partenaires comme le bon format et la bonne échelle pour traiter des problèmes de sécurité et de développement spécifiques à la zone sahélienne, problème qui, à défaut d'être efficacement et rapidement traité, mettrait en péril tous les équilibres tant au sud qu'au nord de la Méditerranée. Je vous remercie et j'attends vos questions. Merci mon général. Je vais passer la parole actuellement à son Excellence Mamadou Tangara, ministre des Affaires étrangères de la République de Gambie. Et je pense qu'avec vous, monsieur le ministre, on fera une sorte de cas pratique avec votre pays qui est aussi un exemple de ce que la force et la diplomatie peuvent faire pour régler une situation, j'ai envie de dire, conflictogène. Je vous laisse la parole. Thank you very much, Mr. Moderator. First of all, allow me to seize this opportunity to congratulate Brahim and his team for organizing a very successful conference forum. The case of the Gambia is a case that can be studied in school, and I think it's the perfect illustration of the fact that if people listen to Africans first and foremost, we'll be able to solve our problems by ourselves. You know, when we had the election in Gambia, I was then the permanent representative of the Gambia to the United Nations. And immediately after the president conceded defeat and congratulated his opponent, the whole world was praising the Gambia. And I attended a program in New York with the late Babatunde, executive director of UNFPA, and he did not know that I was in the hall, because I like to go unknown and hide behind, be like a backbencher. And then that day, someone was saying that, well, Babatunde in his speech said that what made him proud as an African is what happened in the Gambia, because we've given a lesson to the whole world that we can change a government through the ballot box. And someone told him that the PR of the Gambia is here. And then everybody came and started congratulating me. But I was very cautious. And I was telling everybody that let's not be carried away by this euphoria. Because knowing what I know and reading the writings on the wall, I'm not very confident that something will not happen. And then later on, unfortunately, from the pride of Africa, we were about to become the laughing stock of Africa. So we say this is something that cannot happen. And there are defining moments in history where you have to take a decision. So I spoke to some of my colleagues, and I said this is something that is unacceptable.
As far as I'm concerned, I'm not going to defend this. I prefer living, but live with dignity. So we started coordinating our action. But I mean, it's a perfect illustration of a well-coordinated, well-orchestrated operation. Immediately after our immediate neighbor and my brother and friend, Manker, who was then the foreign minister, is here, started engaging. And ECOWAS started engaging the president, not trying to resort to military intervention, but first try to engage him, make sure that the verdict of the people stood by them. But unfortunately, after many efforts, the efforts proved futile and useless. And there, we saw the combination of the military and diplomacy. And that reminds me of the dictum of a great thinker who was saying that diplomacy without arms is just like music without instruments. Yeah. And with the intervention of ECOWAS, the support of our immediate neighbor, we are able to avoid a major crisis in the western part of Africa. And I think the Gambian people also deserve commendation for exercising restraint and refusing to be dragged into the into violence, unnecessary post-electoral violence. And immediately after, the UN Political Affairs Department undertook a mission to the Gambia, followed by the Peace Building Commission and the Peace Building Support Office. And that was also a very defining moment, because immediately after, they provided the seed money to kickstart the transitional justice process, the security sector reform, and support to the Office of the President so that the expectation can be met. Because people think that after a change of regime overnight, their life will be changed. But then on the feeling that we are not countries endowed with a lot of resources, then we have to count on other people. So with the help of the UN and the international community, we were able to design the National Development Plan that culminated in a very successful donor conference in Brussels. But immediately after that too, you know, the understanding of the people, when we came from Brussels, people thought that with all these pledges, we were coming with the money in a van. In fact, when the president came to the Gambia, people saw a black van and they said the money is inside that van. And from there, whatever we do, they will say, they're starting to enjoy our money and eating our money. But today, I think one of the most fundamental things is that, one, we have the development plan, the security sector reform is going on, and then we've just launched the Truth, Reconciliation and Reparation Commission, which to me will be a very traumatic experience, because this is a society where people are interrelated. How are we going to deal with all the revelations that will come out of that commission? So this is it's a very crucial moment in our history, but we are still managing the situation, managing expectations. And of course, with the help of ECOWAS, and I think people like Dr. Chambers need to be saluted for their action. And my brother here, Manker, we work closely together, was also very supportive, and Senegal, of course, under the leadership of their president. And today, for the first time, we have two heads of states in both countries that are thinking along the same line. And I think we have an opportunity to prove to the whole world that we can go beyond some of the artificial barriers like language and colonial history and be one people, and work towards an integrated Africa. And I always say that if Gambia and Senegal cannot be one, let's not even talk about African unity. Tomorrow will not be the eve of African unity. Because we are so interrelated, our destiny is so inextricably linked. And I always say that our diplomacy should be based on truth, because only truth can resist the tribulation of time. And we are hopeful with the new dynamic that will be an example that will be
the pride of Africa. Thank you. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Je vais à présent donner la parole au Premier ministre, à l'ancien Premier ministre de la République centrafricaine, Monsieur Martin Zigele. Avec vous, on ne va pas s'éloigner du cas pratique, parce que vous venez d'un pays qui est malheureusement un modèle ou alors un anti-modèle en matière de sécurité sur le continent africain. Mais j'aimerais voir avec vous la nécessité pour les États africains de bâtir de véritables armées. Parce que la Centrafrique dont vous venez aujourd'hui est l'un des pays où l'armée, au sens strict du terme, a du mal à exister. Et à titre personnel, j'ai été frappé de me rendre compte que les groupes armés sont parfois mieux armés et mieux formés que l'armée de l'État lui-même. Alors, que doivent faire les États africains pour pouvoir avoir des armées digne de défendre le territoire national? Je vous remercie. Effectivement, je suis centrafricain. Et comme dit un proverbe bien de chez nous, lorsque le crabe sort de l'eau et vous dit que l'hippopotame est borgne, vous ne pouvez pas dire que le crabe ment. Donc, c'est un environnement difficile à imaginer. Et encore plus naturellement pour les populations à vivre, c'est-à-dire l'absence de sécurité. C'est une situation difficile. Mais je pense que cette situation aussi a des... Si on veut parler sur le plan historique et global africain, cette situation a des origines historiques. Parce que ceux de ma génération qui ont eu à passer à travers les programmes d'ajustement structurel avec le FMI, on nous a toujours dit que les dépenses de sécurité, comme les dépenses de fonctionnement de l'administration, c'était des dépenses inutiles. C'était des dépenses à fond perdu. Et personne n'a vu venir le fait que, en fait, les périls de nos temps sont des périls internes, en tout cas d'origine interne, qui sont dus à plusieurs facteurs, parfois à des facteurs géographiques tout simplement. Le fait que dans un vaste pays comme la RCA, qui a 624 000 km², il n'y a que 5 millions d'habitants. Et si vous sortez de ces 5 millions d'habitants, Bangui qui fait à peu près 1 200 000 habitants, c'est-à-dire les 3 800 000 autres habitants sont repartis sur les 624 000 km². Et de fait, quand vous regardez, vous mettez un zoom sur le pays, vous voyez que c'est la moitié ouest du pays qui est peuplé. Et vous voyez également que la partie est du pays, qui est la plus vaste, la plus évasée, est très peu peuplée. Et je constate, je ne lis pas les liens, je ne lis pas les faits, les groupes armés sont prépondérants justement dans l'espace qui est vaste et très peu peuplé. Et comme les choses ne sont pas simples, c'est dans les espaces qui sont vastes et peu peuplés que vous avez le diamant, l'or, le bétail, etc. Et ceci explique également cela. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire par là que l'idée qui était propagé dans l'intelligence, dans l'administration, dans les pays africains, il y a quelques années, que les dépenses de sécurité étaient superfétatoires, c'est une idée parfaitement fausse. Et nous, par exemple, en République centrafricaine, nous sommes en train d'en payer le prix aujourd'hui. La sécurité, dans son acceptation globale, est le fondement et est la condition du développement. Et lorsque vous faites l'analyse, vous constatez que les mécanismes sous-régionaux ou régionaux qui sont mis en place aujourd'hui, ici et là, en Afrique, sont en fait des réponses d'urgence à cette erreur stratégique, j'allais dire à cette faute politique que nous avions tous commis. Donc aujourd'hui, il faut non seulement soutenir les initiatives sous-régionales et régionales de maintien de la paix, mais il faut rattraper le temps en construisant véritablement des systèmes de défense et de sécurité en Afrique, dans nos pays, dans chaque pays, et pour protéger nos populations, pour garantir le développement. Sinon, tout ce qui a été... Je suivais tout à l'heure dans la salle d'à côté le représentant de la Palestine qui disait que il a suffi que quelqu'un arrive pour détruire 55 ans de discussions de paix et de progrès dans la paix. La guerre civile
où les groupes armés font exactement la même chose dans un pays. Quand les groupes armés arrivent, ils détruisent non seulement les biens physiques, mais ils détruisent aussi l'espoir de développement. Parce qu'ils inoculent le venin de la division, de l'insécurité, de la précarité. Ils favorisent l'éclosion de comportements antisociaux, même à l'intérieur d'un pays, c'est-à-dire les gens qui vivaient toujours ensemble sont capables de se lever et de se tuer comme si ils ne se connaissaient pas. Donc, voilà, moi je voudrais focaliser sur le fait que nous devons faire comme, j'allais dire, les grandes puissances aujourd'hui. Lorsque vous regardez les États-Unis, lorsque vous regardez la Chine, lorsque vous regardez la Russie, lorsque vous regardez même l'Inde, c'est à la fois des pays qui cherchent à se renforcer de plus en plus sur le plan économique, mais c'est d'abord des places fortes en matière sécuritaire. Et je pense que nous ne devons pas être, entre guillemets, naïfs sur cet aspect-là. Je veux donc dire, je disais tout à l'heure avant que nous venions ici en salle que c'est surprenant pour un socialiste que je suis de tenir un discours, j'allais dire, un peu militaire. Mais je veux dire, il n'y a aucune école qui n'est plus pertinente que la vie, que l'expérience. Et l'expérience de ce que nous vivons aujourd'hui en Centrafrique, de ce que je vis aujourd'hui en Centrafrique, c'est que vraiment, il faut focaliser les efforts d'un gouvernement principalement sur la sécurité des biens et des personnes. Et il faut s'investir dans les initiatives sous-régionales et régionales pour assurer la paix et la sécurité. Si vous ne pouvez pas donner l'instruction à votre peuple, si vous ne pouvez pas donner l'alimentation à votre peuple, si vous ne pouvez pas construire des routes, il faut garantir au moins aux citoyens qu'il peut dormir la nuit tranquille et se réveiller le lendemain. N'est-ce pas? C'est ça qui est fondamental et je veux m'arrêter là. S'il y a d'autres questions, je pourrais... Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre, pour cette prise de parole. Et je pense qu'on est tous d'accord avec vous qu'il faut construire dans les États africains de véritables armées. Mais comme vous le savez, pour construire ces armées, il y a aussi une condition, j'ai envie de dire sine qua non, c'est la question de la gouvernance. Parce que dans plusieurs pays africains, on est enclin à des scandales, détournement de fonds publics. Et justement, l'une des parties de ces fonds qui sont détournés sont souvent dédiés à l'armement. C'est des grands marchés et justement, l'argent est mal géré. Du coup, l'armée ne peut pas être bien construite. Raison pour laquelle on va donner la parole à M. Christopher Fomenyan qui, lui, va nous parler justement de la nécessité de la bonne gouvernance dans l'édification de la sécurité. Est-ce qu'on peut avoir un système sécuritaire édifiant si on n'a pas les bonnes mœurs ou les bonnes pratiques en matière de gestion ? Monsieur Christopher Fomenyan. Merci, Jules, de me passer la parole. Et comme je suis le dernier intervenant sur le panel, je pourrais facilement dire que je m'associe à tout ce qui a été dit auparavant par mes co-panélistes. Mais je voudrais aussi ajouter de façon succincte trois éléments clés sur la question de la gouvernance par rapport à l'architecture de paix et de sécurité. Let me just make three quick points and open this up for conversations. Because I believe very strongly that good governance, it's really the bedrock, le pilier, comme on dit, the bedrock of every peace and security strategy. And I say this because the nature of security threats, the sources of insecurity and instability on the African continent can be attributed to issues of governance. And when you look at the major crises that the continent faces or has faced in the past, whether it's the genocide in Rwanda or Somalia or South Sudan or Liberia, Sierra Leone 2 decades ago, or even in Mali, Northern Mali at this moment, these issues are no longer the issues that the
OAU was anticipating in the 60s. Because at that time, the fear was that insecurity would come from a fight between two countries using conventional armies to fight over territory. The sources of insecurity in Africa today are internal, within the borders of countries, of nation states. Central Africa is even another example. Secondly, the principal actors in terms of the vectors of insecurity and instability in Africa today are not other countries. There are two principal sources. First, there are non-state actors, Boko Haram, MNLA or Al-Qaeda in Maghreb in the Sahel, Al-Shabaab in Somalia and the Horn, non-state actors who are trying to take advantage of either weak governments or of ungovernable spaces. And secondly, instability and insecurity is also arising from discontent amongst citizens, their disaffection with the central government, and their feeling that by being in the periphery, they are not being integrated in the development of the state. And you have to think about periphery not just in geographic terms, you have to think about the periphery even in societal terms. The young, unemployed undergraduates who are roaming the cities without a source of livelihood, they feel very insecure, and they could easily become a recruitment ground for the non-state actors that want to destabilize states. So that's my first point about governance. The second point is that the whole debate and discussion about security strategy or security sector reform has evolved over time. And today, when you talk about security, it's no longer just regime security or the security of the state and institutions of the state. Those are important. But the paradigm shift has gone towards the concept of human security. And that what is important today is not just the security of the state or of state institutions, it's the security of the farmer in the remote part of Mali or Senegal or any other country, is the security, the sense of security of the market woman in northeastern Nigeria, is the state of the feeling of security of the university student in Bangui or in another part of the continent. That is what human security entails. And you can't have this paradigm shift without coming to the recognition that the ability of the state to guarantee the human rights of the citizens, to make decisions that can improve their well-being on a daily basis, contribute to either reinforcing the concept of security or generating the notion of insecurity and lack of peace. And the third thing that I would say with regards to governance is that there's a saying that security is too important to be left only in the hands of the military. That often at times, some of our leaders, when they think security, they think it's deploying the military. But in this new paradigm shift of embracing the notion of human security, we have to take a holistic, comprehensive approach to the search for security and stability. And that inclusive, comprehensive approach entails integrating into the security architecture, whether it's of a country or of the sub-regional entities or even of the African Union, the contribution of other key sectors of society. I'm talking about members of the legislative branch of government, members of parliament who represent constituents, who exercise, who vote the national budget and make the allocations of the budgetary allocations and how much resources should go
to the military and other security services who are supposed to conduct oversight to make sure that the allocations that go for defense and security are properly spent and the soldiers are also taken care of. I'm talking about civil society that has a crucial role to play because when you look at today's threats and the role of non-state actors and their impact in rural communities, oftentimes the community-based organizations, civil society organizations, women's groups, media and journalists, people that have access to these communities also have a very crucial role to play. I would say, just to cite an example to conclude, a case study of what's happening right now in the Sahel, and the general is here and he could testify to some of this as well. I'm very impressed by the G5 Sahel. I'm very hopeful about that initiative because it's very practical, it's very operation oriented, and it's a lot of political will within the leadership of these countries to make it work. Interestingly, in the three countries of Mali, Burkina Faso, and Niger, which constitute the spinal cord of this operation, you're beginning to have these cross-sectoral coalitions around security. So in each one of those three countries, you have within the country coalitions of security services, members of parliament, and civil society working together to try to help the country come out with a coherent security strategy that would meet the current threats. And then on top of that, you have what is developing as a sub-regional or tripartite within the three countries. Those three coalitions that exist in each one of those three countries now meeting often, regularly, to exchange and compare notes within the security services, amongst members of parliaments from the three countries, and amongst civil society from the three countries. And then every now and then, all three groups getting together to discuss, analyze the effectiveness of security operations and make recommendations on how the security strategies for these countries could be tailored to meet the needs of citizens. And I think that if we can continue to put governance at the core of our security strategies, then we're off to a good start and we enhance the prospects of success. And that's probably one reason why ECOWAS, amongst the sub-regional entities, has been, I would say, one of the most successful, because the ECOWAS protocols on good governance push the sub-regional entity to integrate that concept in all of its actions, including in the security sector. I look forward to your questions and I hope I can shed more light on the issues that are most pertinent to all of you. Thank you very much for your time. Merci beaucoup, Monsieur Christophe Fomeyon. Nous allons libérer Son Excellence Mamadou Tangara, qui a un avion à prendre et qui va partir. Donc, je vais lui laisser la parole pour un mot de fin avant de partir, Son Excellence Premier ministre. Et peut-être sera en forme de question. Vous avez tantôt célébré la nécessité de l'intégration. J'aimerais peut-être que vous reveniez là-dessus, parce que le cas justement de la Gambie et du Sénégal, c'est un véritable cas d'école. Et j'ai entendu quelqu'un dire que c'était la même nation avec deux États. Est-ce que pour vous, l'intégration va être la solution ultime pour régler les problèmes de sécurité en Afrique? Je reste convaincu de cela. C'est moi tout à l'heure qui disais que c'est une nation avec deux États. Et je pense que l'exemple de la Gambie, c'est quand même l'exemple d'une solidarité africaine agissante. Parce que dans la résolution de ce conflit en Gambie, il y a eu beaucoup de parties qui se sont impliquées. La Mauritanie, la Guinée, le Maroc, le Tchad, et la Guinée équatoriale. Vous savez, il y avait ce général chinois qui disait qu'il ne faut même pas complètement encercler son ennemi, il faut lui quand même donner une porte de sortie. Donc à un certain moment, l'intervention aussi bien du président mauritanien que guinéen a quand même facilité la résolution de ce conflit sans effusion de sang. Et le Maroc, bien avant ça, a quand même aussi joué un rôle très discret mais très important.
Et la Guinée équatoriale, au nom de la solidarité africaine, a décidé d'accueillir le président Yahya Jammeh à Malabo. Et à un certain moment, parmi ses exigences, il voulait faire sortir, évacuer certaines de ses affaires. Et c'est le Tchad qui a permis d'évacuer ses affaires. Donc je pense que c'est vraiment l'exemple type d'une solidarité africaine agissante. Et il est important que les autres nous écoutent aussi. Parce qu'ils ne peuvent pas nous aimer plus que nous-mêmes. Et ce qui nous affecte directement, c'est nous qui sommes directement affectés. Vous avez le conflit au Mali, d'une façon ou d'une autre, ça affecte tout le monde. Tout le monde est blessé dans sa chair. Et je pense que l'exemple, je le répète souvent, de la Gambie et du Sénégal est un exemple qui doit servir à l'Afrique. Si nous ne réussissons pas à nous entendre, ce n'est pas demain la veille de l'Union africaine. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Et on vous souhaite un très bon voyage et un bon retour en Gambie. Nous, on va rester. Donc, nous allons poursuivre cette session. Et cette session, nous la poursuivons avec vous, mesdames, messieurs, parce que nous allons nous retourner à présent vers vous pour prendre vos différentes questions aux différents panélistes. Je prends juste la peine de vous rappeler qu'il faudrait vous présenter et signifier exactement auquel des intervenants vous adressez votre question. Essayez de faire des questions brèves, mais au-delà des questions, vous avez aussi le droit, parce que je vois le ministre Manqueur qui est dans la salle. Vous pouvez contribuer au débat en essayant effectivement de compléter les choses qui ont été dites ici. Donc, la parole est à présent à l'assistance. J'espère qu'on a un micro. D'accord, parfait. On va commencer par le monsieur au deuxième rang. Bonjour tout le monde. Je suis Alda Akdim, je suis étudiant à l'Université internationale de Rabat, Master de gouvernance internationale. Ma question, c'est à propos de la présence des puissances mondiales, des grandes armées mondiales en Afrique, notamment l'armée française et l'armée des États-Unis, AFRICOM. Dans l'Afrique, est-ce que ça contribue à la sécurité de ce continent ou bien ça engendre beaucoup de problèmes? Et l'exemple, je vous rappelle M. Ziegler, ce qui s'est passé en centre d'Afrique dans l'opération Sangari, oui, l'opération Sangari par l'armée française, l'opération qui a été condamnée par un certain nombre de faits de violence par l'armée à l'encontre de la population et surtout des enfants au centre d'Afrique. Merci. Merci. On va prendre une deuxième question. Oui, monsieur, ici au premier rang. Bonsoir à tous. Mon nom c'est Mara Sekou Alphonse. Je suis le président de la plateforme Jeunes Mais Leaders en République de Guinée. Ma question c'est à tous les panélistes. On est en train de discuter des questions de sécurité, mais aucun intervenant n'a signalé le cas des jeunes. Parce qu'aujourd'hui, tous ces problèmes qu'on a dans nos pays, ceux qui nous envahissent, ce n'est pas des étrangers, non, c'est nos jeunes qui prennent des armes. Donc, la question de la jeunesse, est-ce que ça compte réellement dans la sécurisation du pays? Que faut-il faire pour que les jeunes évitent d'être les ennemis de leur propre pays? C'est la question à tous les panélistes. Merci. Merci. On va prendre une dernière question pour cette première série. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui, madame. Bonjour à tous. Je vous remercie pour l'exposé que vous nous avez présenté, chacun des panélistes. J'aimerais rejoindre le précédent, le monsieur qui a posé la question par rapport à l'opération, à, non seulement à l'opération Sangaris, mais aussi celui qui a parlé de la jeunesse, le cas de la jeunesse, non, parce qu'on parle de la sécurité. Et j'aimerais aussi parler de mon pays, la République centrafricaine. Et pour l'instant, je m'adresse précisément à M. Ziegele, qui connaît aussi mieux la situation. J'aimerais savoir pourquoi
La jeunesse n'est pas citée parce que aujourd'hui, si on veut, on veut parler de la sécurité, il faut d'abord qu'il y ait conscientisation. Et la jeunesse est au cœur de tout ça. Si aujourd'hui la jeunesse ne prend pas conscience, mais rien ne pourra changer parce que au moins aujourd'hui, si la jeunesse se dit je dois prendre conscience, je dois aussi aider mon pays, on doit assurer la sécurité du pays. Si tout est sécurisé, la jeunesse pourrait prendre la relève et aller de l'avant. Mais si il y a juste l'État ou bien les membres du gouvernement et qu'on n'inclut pas la jeunesse, les choses ne pourront pas changer. Donc le mieux serait d'inclure aussi la jeunesse dans ce pas et pour faire avancer les choses. Merci. Merci. Merci à vous pour vos premières interventions. Nous aurons une deuxième série tout à l'heure. Donc je vais donner la parole à qui veut la prendre parce que finalement tout le monde a été interpellé sur la question. On va commencer peut-être par M. Christophe Fomignon sur la question des jeunes parce que j'ai cru entendre dans votre exposé la notion de gouvernance veut dire impliquer les jeunes, leur donner par exemple des emplois parce que ce sont généralement des jeunes désœuvrés qui sont enrôlés dans ces différents groupes rebelles. Effectivement, je vous remercie pour les questions, des très bonnes questions. Et justement, j'ai parlé de la jeunesse. Malheureusement, peut-être que j'allais trop vite et encore plus en anglais mon intervention sur cet aspect vous a un peu échappé. J'ai dit justement que dans les poches d'insécurité ou d'instabilité que vivent certains de nos pays, les pays ne sont plus exposés aux agressions externes, mais plutôt c'est dans la gestion des populations civiles à l'interne que les crises naissent et des crises qui, par la longue, déstabilisent un peu le pays. Donc, les sources d'insécurité en Afrique ont beaucoup évolué. J'ai parlé donc des jeunes désœuvrés qui, ce n'est pas parce qu'ils sont jeunes qu'ils sont des criminels, non, mais c'est juste parce qu'ils ne voient pas d'avenir. Qui sont un peu exposés au risque de recrutement par les éléments qui sont souvent des acteurs non étatiques qui ont d'autres visées. J'ai parlé du recrutement, par exemple, des jeunes dans des mouvements comme Boko Haram. Donc, ce qui voudrait dire que, surtout pour un continent comme le nôtre, avec la démographie que nous connaissons, où nous avons presque 60% de la population africaine à moins de 30 ans, dans certains pays comme le Mali, comme l'Ouganda, ce pourcentage est même encore plus élevé. Donc nous ne pouvons pas définir de vraies politiques de défense et de sécurité sans intégrer les jeunes. Et une intégration vraiment active, très active, pas symbolique. C'est pour cela que j'ai aussi pris l'exemple de la contribution des organisations de la société civile qui constitue quand même un vecteur d'activisme des jeunes dans la définition ou la mise en œuvre des politiques de défense et de sécurité dans certains pays du continent. Il me souvient que tout récemment, nous avons mené certaines activités au nord du Niger qui ont constitué simplement à ouvrir des espaces de dialogue entre les services de sécurité et les jeunes dans les communautés pour que ces jeunes-là soient écoutés, que les autorités puissent savoir quels étaient leurs besoins, quels étaient leurs grèves, quelles étaient les difficultés qu'ils rencontraient dans leur intégration sociale. Et après ces différentes rencontres, le gouvernement a été obligé de prendre certaines mesures pour rassurer les jeunes et pour leur donner les opportunités pour qu'ils puissent vraiment s'intégrer de façon plus active dans la gouvernance du pays et surtout de leur communauté. Donc c'est une évidence et je pense que beaucoup de gouvernements sont en train de se rendre compte du fait qu'on ne peut pas faire une politique de défense et de sécurité sans l'intégration de la jeunesse. Merci beaucoup. Je vais donner la parole au Premier ministre Martin Zigele qui a été interpellé à deux niveaux. Je pense que sur la question de l'implication de la jeunesse, M. Christophe Fomignon a si bien répondu, mais j'aimerais revenir avec notre premier intervenant qui a en quelque sorte mis les pieds dans le plat, ces différentes bases militaires occidentales implantées en Afrique. Et j'aimerais bien écouter le général sur la question, parce que c'est vrai que l'armée ne parle pas beaucoup, mais ce serait l'occasion de savoir ce que l'armée africaine elle pense. Déjà, est-ce que c'est une bonne chose d'avoir ces différentes bases militaires
sur le continent. Et il a une question très très précise, c'est que ces bases militaires ou alors ces interventions militaires venues de l'Occident ne riment pas toujours avec sécurité, riment parfois aussi avec scandale. Et il a évoqué les tristes affaires qu'on a eues dans votre pays émanant de la force Sangaris. Monsieur le Premier ministre. Je vous remercie. C'est normal que je sois interpellé à deux reprises, et surtout par ma compatriote, parce que je sais que le problème de l'insécurité en Centrafrique pollue complètement la vie quotidienne. Je viens de Centrafrique, donc je sors de là. Et je reviens d'abord sur la première question sur les bases militaires étrangères en Afrique. Je pense que dans l'absolu, personne ne souhaite avoir de base étrangère, militaire étrangère dans son pays ou sur son continent, dans l'absolu, puisque nos pays sont réputés être indépendants. Donc dans l'absolu, la question ne se pose même pas. Mais dans les faits, dans la réalité, comme je venais de vous le dire, il y a des choix politiques qui ont été faits à l'indépendance, et même longtemps après. Et ce choix, l'un des segments de ce choix, c'est de ne pas construire des capacités nationales de sécurité, pour simplifier les choses, à même de garantir la sécurité d'un pays 24 heures sur 24. Encore, même si un pays le voudrait, faudrait-il qu'il en ait les moyens. Donc, en quelque sorte, quelqu'un a utilisé le mot ici avant moi, par démarche de subsidiarité, on a fait appel à des contingents militaires étrangers pour assurer notre sécurité. Bien ou pas bien, il faut l'assumer. Et il faut dépasser ce stade-là. Parce que c'est là où est la question. Et nous étions très nombreux aussi à croire que, comme je le disais tantôt, que les défenses de sécurité, les dépenses de sécurité, c'était des dépenses à fond perdu, comme on le disait, que c'était improductif. Et la réalité nous a rattrapés, parce que les épines sont sorties de nos pieds. Aujourd'hui, comme vous l'avez dit, c'est la jeunesse dans un pays ou d'autres catégories de population moins jeunes qui, pour des raisons diverses et variées, légitimes ou illégitimes, ce n'est pas le lieu d'en discuter, prennent les armes contre les institutions de leur propre pays et arrivent même à déstabiliser profondément les pays. Nouveau type de péril. Et lorsque vous n'avez pas été préparé, qu'est-ce que vous faites? Vous rappelez ceux qui vous ont protégé hier, d'où l'opération Sangaris. Je tiens d'abord à rappeler que les scandales, entre guillemets, qui ont été dénoncés, l'ont été d'abord par des ONG centrafricaines. C'est des ONG centrafricaines qui ont levé le lièvre, comme on le dit, et puis ça a été relayé par d'autres ONG internationales. Mais vous savez que nul n'est au-dessus de la loi, et dès le moment où des tribunaux régulièrement saisis, et en Centrafrique et en France, ont dit qu'il n'y avait pas de preuves suffisantes pour poursuivre les affaires, le citoyen que je suis, respectueux de la loi et de l'ordre, je ne peux que constater qu'il n'y a pas eu de suite. Mais si des faits nouveaux arrivait à être prouvé, le débat peut reprendre. Mais je tiens, parce que comme justement centrafricain et comme citoyen de ce pays, je tiens à rendre hommage à l'opération Sangaris. Là, je parle vraiment comme Martin Zingeré, citoyen centrafricain. Pourquoi je dis ça? Parce que moi, je suis au pays. Je ne suis pas en dehors du pays. Je suis à Bangui, en Centrafrique. Et je vous assure, si la Sangaris n'était pas intervenue en ce moment-là, en décembre 2003, je pense que notre pays aurait peut-être dépassé ce qu'on a vu en Somalie ou au Rwanda en 1994. Donc il faut avoir parfois le courage politique de reconnaître le bien que quelqu'un vous a fait, même si ce bien-là s'accompagne de quelques dérapages. Mais l'essentiel, c'est que des vies humaines ont été épargnées. Il y a eu beaucoup de dégâts, mais l'essentiel a été épargné, et vous le savez, quand on perd sa vie, on ne peut plus la récupérer. Donc, il y a eu des choses qui ont été faites qui ne sont peut-être pas tout à fait louables, mais l'essentiel, c'est que, en gros, la sécurité a été maintenue. Et lorsque vous voyez le tableau suivant, quand Sangaris est parti, je ne sais pas si vous suivez l'actualité centrafricaine, mais nous avons tous pensé qu'après les élections de mai 2016, et ce serait le retour à la paix. Mais quand Sangaris est parti, les groupes armés sont passés de 6 à 14. Le nombre de groupes armés. C'est-à-dire qu'il y a eu comme un appel d'air.
Parce qu'il y a une économie de la guerre maintenant en Afrique subsaharienne. C'est ça qu'il faut dire. C'est-à-dire, il y a, excusez-moi le terme, des petits malins qui ont compris que lorsqu'on prend des armes, on peut se faire de l'argent. On peut faire des trafics. De temps en temps, on déstabilise l'État et on fait semblant de faire des accords de paix. Quand ça chauffe, on va signer même des accords de paix. Et puis quand il y a un relâchement, on reprend l'opération. Et ça, ça pose une question de fond. Et moi, je pense que les réponses seront aussi bien le développement que l'éducation, dans le sens large. Parce que l'impression qu'on a, c'est que, peut-être de par notre faute des adultes, il y a beaucoup de nos enfants ne savent pas c'est quoi un pays, c'est quoi un État, c'est quoi une nation, c'est quoi une société humaine. Et donc, ça veut dire que quelque part, nous avons sauté un épisode du film qu'on doit leur voilà. Merci, Monsieur le Premier ministre. Sur la question des bases militaires, Monsieur le militaire. Bon, la question a été un peu particulière. Est-ce que les bases militaires qui se trouvent sur le sol africain contribuent à la sécurité de l'Afrique? Écoutez, bon, les bases militaires, les puissances occidentales n'envoient jamais leurs soldats en dehors de leur territoire, sauf pour leurs intérêts, les intérêts supérieurs de leurs États ou pour leur propre défense. Il n'y a pas de raison à ce qu'ils mettent leurs bases et leurs enfants pour tout simplement la sécurité mais des Africains. Et aussi, il faut savoir une chose, c'est que la nature a horreur du vide. Et là où nous faisons l'insécurité, où nous sommes incapables de faire en tout cas la sécurité, les autres viendront s'ils ont intérêt à venir. Et cet intérêt, c'est soit la défense de leurs intérêts vitaux qui sont à définir, parce que parfois c'est des intérêts diplomatiques, parfois c'est des intérêts économiques, parfois c'est pour protéger une zone qui est leur zone d'action. Mais, en tout cas, tout cela vaut mieux qu'une pagaille programmée, que des génocides, que des tueries sauvages dans nos États. Imaginez-vous, par exemple, s'il n'y avait pas eu l'opération Serval au Mali, les terroristes allaient déferler au sud du fleuve Niger et la catastrophe était programmée. Imaginez-vous un État terroriste dans le Nord Mali pendant quelques mois qui a servi de base de départ à tous les terroristes dans toute l'Afrique de l'Ouest. Imaginez-vous si les Occidentaux n'étaient pas intervenus, où est-ce qu'on en serait aujourd'hui? Bon, vous avez parlé un peu d'Africom. Africom, c'est comme Youcom, c'est comme... ce sont des commandements, c'est des grands commandements américains dans lesquels sont déployées des forces, et ces forces sont engagées en fonction des intérêts de la nation qui les a envoyées. Mais parfois ça coïncide avec les nôtres, mais parfois ça diverge. Voilà un peu ce que je peux dire là-dessus. Physiquement, ça contribue à la sécurité parce que là où ils sont, quand même, ils empêchent des génocides, ils empêchent des tueries, ils empêchent parfois même des confrontations entre des armées voisines. Donc, on ne peut dire qu'à ce stade, qu'ils contribuent à la stabilité, même si cette stabilité n'est parfois pas légitime. Mais en tout cas, c'est une stabilité qui vaut mieux que la désorganisation programmée. Monsieur Fauvignon, vous voulez rajouter quelque chose? Oui. Je suis très content que la question soit posée et j'aimerais qu'en tant qu'Africain, on continue de la poser à tout moment. Parce que ça permet à nos élites politiques d'être éveillés sur ce questionnement qui vient surtout de la jeunesse et des populations africaines. Mais comme cela a été déjà dit par rapport au Mali ou par rapport à la République centrafricaine, il y avait nécessité. Et ça rejoint le point que j'ai dit au départ, dans ce sens que la nature des menaces de sécurité, des menaces sécuritaires a évolué. Et que lorsque la déstabilisation de certains pays africains a été menée par des acteurs non étatiques, c'était une approche à laquelle nos armées n'avaient pas été formées et préparées pour lutter contre. Donc nous avons été un peu pris de dépourvu et il fallait ces interventions rapides, la logistique pour une réponse rapide, pour d'abord freiner soit la chute des États ou l'avancée de ces éléments non étatiques.
Mais il y a aussi une formule qui est en train de faire son chemin, et c'est ce qui se passe au nord-est du Nigeria, dans la bassine du lac Tchad. Je parle sous le contrôle du ministre Nadif, dans ce sens que dans la lutte contre Boko Haram, les quatre pays frontaliers, donc le Nigeria, le Cameroun, le Tchad, le Niger, avec l'appui aussi du Bénin, ont constitué une force multinationale qui est en train de travailler ensemble pour juguler cette crise de Boko Haram qui a fait son impact dans les quatre pays sans se limiter aux frontières du Nigeria. Il est vrai qu'il y a une assistance technique, mais très légère. Mais le gros du travail est fait par les armées de ces quatre pays. Donc je crois que c'est une formule qu'on pourra retenir pour dire que si, en urgence, il y a une intervention des forces extérieures pour d'abord freiner les avancées des éléments négatifs, il faudra que les pays concernés puissent mettre les ressources, puissent mobiliser les ressources en matériel et en hommes pour pouvoir eux-mêmes s'occuper de la propre défense de leur propre territoire. Et je pense que cet exemple du bassin du lac Tchad, la coopération entre ces quatre pays pourra faire école et pourra servir d'exemple pour d'autres pays africains également. Merci, M. Christophe Fomignon. Je ne sais pas si le ministre Enadi avait quelque chose à dire par rapport à ces premières interrogations. Merci beaucoup. Moi, je préfère plutôt me concentrer sur le thème et avoir cette vision panafricaine de la chose. Il faut avoir cette vision globale et qu'aucun de nos États pris individuellement n'est capable d'assurer sa sécurité seule. Et je crois qu'il faut voir ça sous forme de communauté économique régionale, sous forme d'une vision globale. Et souvent on confond des choses qui pour moi ne doivent pas être confondues. Quelquefois nous employons très facilement ce mot de souveraineté. Nous n'avons pas de souveraineté au quotidien. Et s'il y a un jour, nous demander de léguer une partie de notre souveraineté, comme aujourd'hui, ça existe même dans la constitution d'un pays comme le Mali, que je cède ma souveraineté pour l'unité africaine, pour la cause africaine, pour des pays africains. Si nous raisonnons comme ça, je crois qu'il est possible de pouvoir conjuguer des efforts, et là où l'un est faible, l'autre peut venir à son secours. Et ça me rappelle quelque chose que quelqu'un m'avait parlé en 98, quand il y avait eu la situation en Afrique de l'Ouest, Libéria, Sierra Leone, et le Nigeria était réellement, le Nigeria était la locomotive de l'Afrique de l'Ouest et qu'elle a mené pratiquement à ces opérations, où quelqu'un me disait, un journaliste occidental, j'étais ministre des Affaires étrangères, il me disait, mais est-ce que vous embarrassez pas par le fait que c'est le Nigeria qui fait la loi dans toute l'Afrique de l'Ouest. J'ai dit, mais je préfère que le Nigeria fasse la loi, que ce soit un autre pays occidental qui vienne faire la loi chez nous. Donc il y a, je crois, il y a des synergies à mettre ensemble, et si nous les mettons ensemble, l'exemple de la Gambie a été donné, le Lesotho, qui est, c'est vrai, un cas particulier au milieu de l'Afrique du Sud, a été donné. Le Mali, c'est quand même d'abord la CEDEAO qui est venue. D'abord, on parle aujourd'hui des Nations Unies, mais c'est d'abord la CEDEAO qui est venue. C'est vrai, le Tchad était venu aussi, mais fait partie de la sous-région quand même. Et donc, revenons plutôt à nos fondamentaux. Nous avons une architecture de paix et sécurité, elle a ses mécanismes. Ayons confiance à celle-là, renforçons ces mécanismes. Tout à l'heure, Christopher parlait de la démocratie ou de la bonne gouvernance. Il y a une charte pour la démocratie, charte africaine de la démocratie, des élections et de la bonne gouvernance. Il faudrait pousser nos chefs d'État à la mettre en œuvre pour que, alors qu'ailleurs, les élections sont faites pour résoudre des problèmes, il ne faut pas que chez nous, les élections soient plutôt source de problèmes.
Et c'est en cela qu'il faut travailler, à mon avis. Et c'est en cela que la jeunesse trouvera sa place. Et c'est en cela que les bases extérieures n'auront pas de place au niveau africain. Je vous remercie. Merci beaucoup, M. Nadif. Donc, je vais retourner vers vous, mesdames, messieurs, pour une deuxième et dernière série d'interventions. On va commencer par la dame au premier rang. Merci. Alors, je suis Sidonie Florouet, présidente de la plateforme associative Le Salon de la Femme du Gabon, par ailleurs vice-présidente du réseau panafricain des femmes pour la culture de la paix et le développement durable, section Gabon. Alors, je voudrais poser ma question particulièrement à M. Mahamat pour dire que quel est le rôle qui est réservé à la femme dans la préservation de la paix d'une part et de toutes les questions sécuritaires. Permettez-moi de développer un tout petit peu pour vous expliquer le constat que nous avons fait au niveau du Gabon lorsque, élue à la tête donc comme vice-présidente de ce réseau, nous avons essayé de faire quelques villes du Gabon pour nous rendre compte que ces organismes qui militent pour la paix et les questions de sécurité sont plutôt inconnus des populations qui sont retirées, alors même que c'est là-dedans où les acteurs non étatiques se placent et sévissent. Alors, est-ce qu'on ne serait pas plus en train, plus actif, comme l'a souligné Monsieur le ministre de la Défense, je crois, pour parler de la promptitude et de la présence, je veux dire, très active des leaders politiques en ce qui concerne toutes ces questions, mais en mettant l'accent sur la sensibilisation sur les questions de sécurité. Parce que souvent, c'est par manque de moyens qu'on ne sensibilise pas. Les gens ne sont pas informés même de tous ces efforts qui sont faits. Je vous remercie. Merci, madame. Nous allons prendre monsieur au fond. Et nous prendrons le monsieur pour terminer. Good evening, everyone. I'm a Kofi Amoko from Ghana. I'm a student in the Morocco National Business School in Tanger. My question goes to Mr. Christopher. As he was saying, based on statistics, like 70% of African population are young, are youth. And my question is, what are the measures put in place to ensure that policies and decisions taken by the leaders, they involve the youth? Because the youth, everything concerned about the youth, people who are less than 30 years and yet to come. So what are the measures put in place to involve such people? Thank you. Thank you. Bonsoir tout le monde. Et bien avant de commencer, j'aimerais remercier les différents conférenciers pour vos brillantes interventions. Je me nomme Cissé Mamadi, chargé de projet au sein de l'Organisation des jeunes africains. Comme il s'agit de parler de la sécurité, je veux m'accentuer sur ce côté. Pour ce qui est de la sécurité aujourd'hui en Afrique, dans sa globalité, j'aimerais savoir quel est l'impact de l'Union africaine. Parce que imaginez pour nous, des jeunes étant, un père de famille qui est dans un foyer et qui, à chaque fois, c'est un de ses membres, un de ses amis qui reviennent pour régler les conflits qui sont dans son foyer. Quels seront les comportements des enfants vis-à-vis de leurs parents? Aujourd'hui, il y a des tas de choses qui se répètent en Afrique. On dit à chaque fois qu'il faut faire appel aux institutions internationales de venir pendant que l'Union africaine est là, elle qui est censée barrer la route à toutes ces problématiques. Et voilà, je vais me limiter ici. Je vous remercie. Merci. Merci beaucoup. Merci à tous pour vos questions et vos remarques. Donc, je vais me retourner vers les Parmidis pour répondre. Il y a M. Enadi qui a été interpellé par la dame, le rôle des femmes. Quelle est la place qui est accordée aux femmes dans ces différents projets? Oui, merci beaucoup, ma soeur. Je voudrais tout simplement dire que bon, c'est vrai, la question de la femme, quand on la voit de façon lointaine, c'est comme si elle n'est pas prise en compte, mais au moins, même si actuellement je ne suis pas
opérationnel au niveau de l'Union africaine, je peux au moins dire que l'agenda de l'Union africaine sur la question spécifique de la femme a énormément évolué ces derniers temps. Aujourd'hui, quand je vois certains pays européens ou même occidentaux de façon générale parler de la parité, est-ce que vous savez qu'au niveau de l'Union africaine, depuis la transformation, depuis Durban en 2002, la parité est appliquée au niveau de la Commission de l'Union africaine sur les 10 commissaires, présidents, vice-présidents, 8 commissaires, il y a 5 femmes, 5 hommes. C'est une réalité. Aujourd'hui, elle est irréversible. Deuxièmement, vous savez, j'avais parlé des mécanismes de l'architecture paix et sécurité. Il y a ce qu'on appelle le panel des sages qui anticipe dans le cadre de prévention de conflits, en particulier dans les, pour éviter les crises post-électorales. Aujourd'hui, dans ce panel des 5, il y a 3 femmes et 2 hommes. Il y a les Wise Women, le groupe de sages, d'ailleurs, la présidente est une Gabonaise, vous le rappelez, qui est ancienne ministre même de la justice du Gabon. Je crois qu'il y a une évolution. Peut-être que ce n'est pas suffisant, je suis parfaitement d'accord avec vous. Et c'est en cela que des fois, c'est vrai que nous disons, et ça me ramène à la question des jeunes, la volonté politique s'est fait encore à notre niveau, s'est fait encore sentir. Et tout à l'heure, j'avais dit que ces souverainetés que nous prenons de temps en temps ou que nos chefs d'État évoquent tout le temps, quand il s'agit du FMI, il n'y a pas de souveraineté. Quand il s'agit de la Banque mondiale, il n'y a pas de FMI. Quand il s'agit de faire tomber les structures qu'on appelle une force étrangère, qu'elle soit Magaris ou autre, il n'y a pas de souveraineté. Donc, revenons à l'Afrique. Et l'Union africaine ne peut être que ce que ses dirigeants voudront qu'elle soit. Plus ils la considéreront, plus nous allons mutualiser nos efforts, plus nous allons voir des locomotives fortes et que je ne sois pas complexé, que je sois à la remorque d'un grand pays comme le Nigeria, que je ne sois pas à la remorque, moi, en Afrique centrale, d'une grande puissance, j'espère qu'elle aura la paix, d'un grand pays comme la RDC. Que la SADC soit à la remorque de l'Afrique du Sud, que ça ne me complexe pas. Qu'au niveau de l'Afrique du Nord, un pays comme l'Égypte puisse drainer les autres. Que je rentre. Donc, ayons nous-mêmes, et les jeunes eux-mêmes, doivent se bâtir sur ça. Il faut compter sur nous-mêmes. Nous avons énormément de capacités, beaucoup de potentiel. Il faut tout simplement qu'il y ait un minimum de justice, un minimum de transparence dans les élections que nous faisons. Et le jeune aura sa place, la femme aura sa place. Merci, merci Monsieur Nadif. Monsieur Christophe Fomenyan, vous avez été interpellé une fois de plus sur les politiques pour intégrer les jeunes. Vous voyez bien, on a un public assez jeune, c'est normal que cette question revienne. Tout à fait, tout à fait. Avant de répondre à la question par rapport aux jeunes, j'aimerais revenir sur la question de Madame la Présidente par rapport à la participation des femmes. Parce que effectivement, il y a du progrès qui a été réalisé dans certains domaines, mais il y a encore beaucoup de travail à faire. La plaidoyer doit être maintenue. Parce que tout à l'heure, on parlait du Liberia et de Sierra Leone il y a de cela 2 décennies. Et pour saluer le rôle qu'avait joué le Nigeria à l'époque, de ECOMOC, pour intervenir militairement, pour mettre fin à ces guerres civiles au Liberia et en Sierra Leone. Mais on ne pourra jamais écrire l'histoire de ces deux pays sans tenir compte du rôle qui avait été joué par les femmes de Mano Rivers. Les femmes se sont constituées, les femmes de la Guinée, du Liberia, de Sierra Leone, des 3 pays, et elles sont allées en brousse rencontrer les groupes rebelles au moment où personne d'autre n'osait aller en brousse. À l'époque, Charles Taylor, qui était président, était chef rebelle. Les femmes sont allées rester en brousse pendant des mois et des mois pour convaincre les chefs de guerre à déposer les armes et à revenir à la table des négociations. Mais une fois la paix revenue, mais ces femmes ont disparu. Au moment où il fallait maintenant mettre en place des institutions, personne n'a pensé à ces femmes de Mano Rivers qui s'étaient battues, qui avaient tout risqué pour faire ramener la paix dans ces pays du Liberia et de la Sierra Leone. Certes,
Mme Ellen Johnson Sirleaf a été élue présidente de la République du Libéria, avec le vote des femmes d'ailleurs, pendant les élections de 2005. Mais pendant ces 12 années d'exercice du pouvoir, elle a tout fait pour modifier certaines lois, pour donner beaucoup plus d'espace de participation aux femmes dans les institutions, par exemple au niveau du Parlement, du pouvoir législatif, mais ça n'a pas abouti. Parce qu'il y a eu blocage jusqu'au moment où elle a passé le service, ça n'a pas été réalisé. Donc c'est pour dire que vraiment il y a encore beaucoup de travail à faire. Et il faut voir, par exemple, dans les parlements, combien de femmes sont élues députées. Et même parmi les femmes députées, à combien de femmes est-ce qu'on donne la possibilité de siéger dans la commission défense et sécurité, qui est la commission parlementaire qui gère vraiment le portefeuille de défense et de sécurité. Il n'y en a pas beaucoup. Je parle sous le contrôle de M. le Premier ministre qui est aussi député. Il n'y en a pas beaucoup. Donc il y a encore du travail. Oui, il y a du côté de l'exécutif, donc un ministre, Madame le ministre de la Défense est une femme, mais au niveau de la défense, du portefeuille défense et sécurité, dans ces commissions-là, on ne voit pas beaucoup de femmes. Donc il y a encore beaucoup de travail à faire, et comme disait tout à l'heure M. Nadif, vraiment la volonté politique doit se manifester davantage, et c'est à nous, ensemble, de continuer à faire la plaidoyer. Par rapport à la participation des jeunes, je crois qu'il nous revient tous, et surtout aux jeunes, de demander cette place, parce que la place ne vous reviendra pas. They will not give it to you. You have to ask for it. You have to petition for it. You have to organize for it. You have to build coalitions with other democratic actors in your countries. Members of parliament, members of the media. You have to hold panels to talk about it. You have to lobby the political parties in which you are interested to nominate young people. In Nigeria, just this year, Nigeria passed a law to reduce the age of access to elective office in Nigeria, because the young people of Nigeria launched a campaign called Not Too Young to Run, to say that young people could also run for office and govern. And they lobbied the National Assembly of Nigeria. They had a lot of press interviews, media campaigns, and finally, the National Assembly passed legislation to reduce the eligible age for public office in Nigeria. And now we'll see in February 2019 whether the political parties will nominate young people. But as Mr. Nadif said before, we now have within the African Union an instrument, a legal instrument, that gives you all the powers as young people to lobby your governments and to raise the issue of youth participation. It's that democracy charter of 2007, the Charter on Democracy, Elections and Governance. If you've not read this document, you should find it, Google it and read it. It's a progressive document that talks about youth participation, women's participation, credible elections, constitutionalism and respect of rule of law. So we already have that instrument and it's already been ratified, so it's operational. We now have to make sure we can domesticate it and in our respective countries continue to work with civil society and other actors to advocate for greater youth engagement in political office, because that's where the decisions are made and that's where the political will really counts. And until young people have their voices heard, until young people have their seats at the table in many of our countries, we wouldn't be able to make the right policies and implement them in a way that can improve the well-being of citizens. Thank you. Thank you very much, Mr. Fomeyon. Je ne sais pas si un des panélistes avait quelque chose à ajouter en guise de mot de fin, parce qu'il nous reste très peu de temps, Monsieur le Premier ministre. Oui, je ne peux pas laisser passer une telle occasion pour dire que souvent, il y a un proverbe chez moi qui dit que c'est quand l'éclair illumine le ciel qui est orageux qu'on voit le visage de ceux qui sont dans l'ombre. Quand vous posez la question des femmes, nous venons de loin en Centrafrique en matière de femmes, parce que nous sommes, je crois, le premier pays en Afrique à avoir nommé une femme Premier ministre en 1976. Ça fait 42 ans. Donc,
Et nous avons une femme ministre de la Défense, comme a dit le ministre Aladif. Nous sommes l'un des rares pays à avoir voté la loi sur la parité et à l'appliquer. Parce que nous, les partis politiques, c'est inscrit dans le code électoral que nous devons avoir la parité en matière de candidature. Déjà. Et donc, il y a beaucoup de choses qui se font. Mais je reviens sur l'Union africaine. Quand j'étais étudiant, j'ai dit à mon professeur de sociologie politique que je n'aimais pas les militaires qui étaient au pouvoir chez moi. Je préférais quelqu'un de type Sankara ou Rawlings qui devait être avec nous et qui n'est pas là aujourd'hui. Et il m'a dit quelque chose que je n'ai plus jamais oublié. Il m'a dit, monsieur Zigéré, si vous voulez avoir à la tête de votre pays quelqu'un comme Rawlings, vous démissionnez, vous quittez l'université, vous entrez à l'école militaire, vous devenez officier, vous faites un coup d'État, vous prenez le pouvoir et vous appliquez la politique de Rawlings. C'est ce que j'allais vous répondre par rapport à l'Union africaine. Nous avons beaucoup critiqué l'organisation de l'Union africaine, mais il faut avoir au moins il faut reconnaître également que gérer une organisation continentale à 53 États qui sont en constitution, en devenir, ce n'est pas une chose aisée. Donc, il ne faut pas prêter beaucoup l'oreille à la critique qui nous vient d'outre-Atlantique et qui pense que l'Union africaine, vraiment, c'est ceci, c'est ça. Les gens qui sont à l'Union africaine, j'en connais beaucoup. Ce sont les meilleurs d'entre nous, hein, pour la plupart. Donc, il faut le savoir. Deuxièmement, je pense que celui qui paye commande, et l'Union africaine a compris ça, puisque le président Kagame, sous son impulsion, on a mis en place un système de financement de l'Union africaine qui se base sur les tarifs extérieurs communs, c'est-à-dire les produits qui entrent en Afrique. Et moi, comme président de la commission finance à l'Assemblée, comme député, nous avons inscrit dans le projet de loi des finances l'effectivité de cette mesure à partir du 1er janvier 2019. Donc, on agit pour que l'Union africaine soit forte. Troisièmement, je renvoie la question à la jeunesse africaine. Il y a des grands artistes africains. Il y a des stylistes africains. Pourquoi vous ne faites pas des événements comme Bob Geldof a fait pour la famine en Éthiopie? Pourquoi vous ne faites pas des événements pour le financement de l'Union africaine pour qu'elle ait les moyens de sa politique? Est-ce que ça vous qui êtes jeunes et qui êtes nos héritiers, est-ce que ça, vous êtes fiers quand vous apprenez que c'est la Chine qui construit le siège de l'Union africaine? Donc je vous renvoie la question et je vous mets au défi que dans 25 ans, quand vous viendrez à Bédès, vous allez dire voilà ce que la jeunesse africaine a fait pour que l'Union africaine soit debout et résolve les problèmes africains par les Africains. Merci beaucoup, merci. Malheureusement, le temps qui nous est imparti est arrivé à son terme. Merci beaucoup à tous les intervenants d'avoir pris de leur temps pour échanger avec nous. On remercie aussi le ministre Mamadou Tangara, ministre des Affaires étrangères du Libéria, qui nous a quittés. Je crois qu'il y a exactement de la Gambie, autant pour moi, qui nous a quittés. Je pense qu'il y a exactement trois points à retenir. La sécurité, c'est la base de tout. Sans sécurité, on ne peut rien faire. Et pour avoir la sécurité, il faut de l'argent, il faut des moyens. Il faut que les États investissent pour construire de véritables armées. Mais avant cela, il faut de la gouvernance, il faut de la bonne gouvernance. Il faut que certains chefs d'État arrêtent de s'éterniser au pouvoir, parce que c'est aujourd'hui devenu l'une des sources principales de conflits dans la plupart des États africains. Il faudrait qu'on ait plus peur des élections en Afrique. Les élections sont censées être un moment de choix, un moment d'échange. Ça ne doit plus être un moment de tension. Il faut l'éducation, il faut également la formation, mais il faut... Et je terminerai par là, comme l'a dit le ministre Nadif, l'intégration. Parce qu'aucun État à lui tout seul n'est à même de garantir sa sécurité. C'est vrai pour le continent africain, mais j'ai envie de dire, c'est vrai à l'échelle mondiale. On est obligé d'intégrer et il faudrait qu'on arrive à mettre de côté nos pseudo-souverainetés, qu'on brandit quand ça nous arrange, pour nous intégrer davantage afin de nous garantir un avenir meilleur à tous. Sur ce, je vous remercie pour votre attention et à très prochainement.